toujours convalescente, Laura, candidate de la saison 7 de Mariée au premier regard, a expliqué pourquoi l'émission ne s'est pas passée comme prévu pour elle. Alors que la jeune femme de 27 ans devait s'unir à Anthony, autre candidat avec lequel elle était compatible à 77%, selon les experts de l'émission de M6, son mariage a été annulé, car la jeune femme de 27 ans a été victime d'un AVC, accident vasculaire cérébral, l'été dernier. Elle a révélé les causes de ce grave problème de santé dans une interview accordée à Télé 2 semaines. Cette inflammation serait liée à un dérèglement de mon système immunitaire, leur a-t-elle confié. La gestionnaire en assurance vient également de livrer plusieurs informations étonnantes concernant son AVC. Elle a tout d'abord expliqué qu'elle avait dû consulter à plusieurs reprises avant que ses symptômes soient pris au sérieux. Souffrant de migraines intenses et régulières au mois de juillet dernier, elle s'est rendue aux urgences après avoir ressenti un engourdissement au niveau de son bras gauche, selon les informations relayées par Télé 2 semaines. Elle a donc passé un scanner, mais a été renvoyée chez elle sans traitement. Des séquelles 9 mois après l'incident, c'est après s'être tournée vers un ami médecin qui l'a dirigée vers un neurologue qu'elle a passé une IRM, le 26 août dernier. Le verdict a été sans appel, elle avait fait un AVC et souffrait de lésions au cerveau. Elle a donc été hospitalisée en urgence en soins intensifs. Dans l'émission de MAP7 diffusée ce 15 mai, on a pu la voir sur son lit d'hôpital. J'ai une artère semi-bouchée, mon cerveau est en souffrance parce qu'il est mal irrigué. Je suis branché de partout, je suis alité en position complètement horizontale, je n'ai pas le droit de relever la tête pour manger ou de me lever pour aller aux toilettes, car je prends le risque de boucher mon artère et d'avoir des séquelles. A-t-elle déclaré devant les caméras de M6. 9 mois après cet événement qui aurait pu tourner au drame, la candidate a donné quelques précisions concernant son état de santé. J'ai gardé des séquelles de mon AVC au niveau de la vision, j'ai une photosensibilité, a-t-elle déclaré à Télé Loisirs. La jeune femme a également précisé à Pure People qu'elle n'était toujours pas guérie et qu'elle bénéficiait d'un suivi médical régulier. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Instagram @laura-bamap7.